téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce magazine Actu Commenté dès ce deuxième jour de la semaine. Nous sommes mardi 21 décembre 2023. L'actualité est abondante. Amis téléspectateurs, sachez que la levée de la procédure de notification des fournitures de matériel et d'assistance militaire a été levée pour... par le Conseil de sécurité des Nations Unies en faveur de la République démocratique du Congo. Nous pouvons donc désormais acquérir du matériel militaire pour renforcer nos FRDC dans ce qui est le travail de la protection de l'intégrité territoriale sans pouvoir passer par toutes ces procédures. Ceci est le résultat de la diplomatie agissante et agressive du président de la République, le premier diplomate de la RDC. Nous en parlons tout à l'heure dans ce magazine. L'enrôlement des électeurs, renouvellement du fichier électoral, c'est dans exactement 3 jours que la CENI lance cette opération dans la première ère opérationnelle qui comprend bien sûr Kinshasa, le Grand Bandundu et les grands équateurs. Jean-Michel Samalukonde, le premier ministre, chef du gouvernement, a été convié au siège de la centrale électorale à voir et à palper du doigt comment les opérations seront lancées avec la livraison des derniers kits qui sont arrivés. On y revient avec images à l'appui tout à l'heure. Mandaka s'apprête à accueillir aujourd'hui, dans quelques heures, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui s'y rend pour les travaux de la conférence des gouverneurs qui, constitutionnellement, est instituée à travers les lois de la République. Et aussi, le président de la République va s'adresser à la population devant la maison communale de la commune de Wangata. Nous sommes en Mbandaka. Comment la ville se prépare-t-elle à recevoir ou à accueillir le patron de la République? On y revient avec quelques images du ministre d'État, Guy Luando Mboyo, qui mobilise, qui sensibilise, qui a fait la ronde de toute la ville de Mbandaka pour parler avec la population. Images et commentaires, c'est tout à l'heure dans ce magazine. Aussi toujours à Mbandaka, le patron de l'enseignement supérieur, l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, est allé concrétiser, bien sûr, une de promesses à l'Institut Motei. On y revient avec images à l'appui tout à l'heure. Mais pour l'instant, premier élément de notre magazine, Bandeko Boebiete, président de la République, Azalaki Kozwa avion awa. Tshisekedi bi voyage à voyage. Président Keneba réunion. Akoki kotinda motote ye kaka. Nzoka ne mosala nyonso Tshisekedi Azalaki Kozwa. Toutes les missions, tout le voyage du président, les uns après les autres, commencent à produire des effets. T'as la vidéo oyo. Tozali awa na Conseil de sécurité à Nations Unies pour mon vote. Résultat, il y a diplomatie agressive, paix agissante, il y a président de la République. Yangoyo, tozui lelo. Conseil de sécurité est décidé 2 choses. D'abord, de la levée des la procédure de notification de fourniture de matériel et d'assistance militaire. Oeza qui a imposé, ce qui te sommi minduki, et sengeli to loba, et uchi wapi, type nan oeza nin, avant elle kaifo batoboko, te, et si li, oeza li résultat, il y a diplomatie, il y a président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Monsieur le président, nous voulons au nom du peuple congolais, merci pour vous féliciter, monsieur le président. Pambate, diplomatie, en tant que premier diplomate, Yamboka, Moussalo Sali et Fouti, Lelo, mesure, il y a procédure à notification pour fourniture, il y a la fourniture matérielle, il y a assistance médicale, les a levés pour la bonheur. Il y a armée, pour Yamboka, Mobimba, Pambate, désormais, ce qui te sombi, ne te sako somba mikolo, et koukoma mbangu mbangu na zamba pour ça la Moussala. Une deuxième résolution, mandat à MONUSCO, ils allaient renouveler pour juste un an kaka. Mandat à MONUSCO, ils allaient renouveler. Pelissousoué ba été Conseil de sécurité et Pessin Dingisa na
ba autorité ya MONUSCO, Conseil de sécurité autorisé MONUSCO à collaborer na force régionale oh ya ba communauté des États de l'Afrique de l'Est oh ba c'est ba sali déploiement pour na ko silisa makambo nyo sur la sécurité nazali na eli kiet sans peur d'être contredit mokolo toko kende élection Congo mobimbe ko voter les mêmes jours y compris Kishishe, y compris ba zone oh le loi ezali na mutungisi y compris Bounagana, y compris Bounagana. Nazali prêt à comparier, na qui le veut. Que élection et que ça la mana 2023, Congolais n'y soit qu'au voter le même jour que Bissot Batoua à Kinshasa, le même jour que Batoubazan à Yumbi, le même jour que Batoubazan à Kwamout, le même jour que Motozan à Kishishe, Motozan à Bounagana. Kasi, Mokonziamboka a s'incarna qui na Katia Bato, mi balé. La Moussala ou Boébiété, le président n'est pas omniprésent. N'a l'ingito salué Moussala ya Christophe Lutundula, ministre des Affaires étrangères. Oyotango Azali Koloba, Batoubasa Kokalokola ou Fachinde Azoloba. Parce que le président s'est incarné en lui. Mokondi a pessi ma directive, à la Kissinzela, a pessi mon ordre, a tié ma mesure d'encadrement, M. Lutundula, Kende Zamba. Bravo, monsieur le VPM des affaires étrangères, Christophe Lutundula. Motete la akatetu, yo penane makila lomumbe zotambola. Félicitations. Pambate na ba yekoto zui, ozalaka, na rigere makasi, tango ba négociation, za kosala mana kombo ya Congo, suivant les instructions, yamokondi yamboka. Monsieur Lutundula, VPM, félicitations pour na Moussala. Pambate, Félix Antoine Tshisekedi a incarné Katina yo za yo mokote to za pe na mandataire spécial ya mokonzi ya mboka professeur Echibangu wa za ko sala mosala très remarquable mais ya kobata makaka sous sol système ya sous-marin professeur Echibangu mokonzi ya mboka azali incarné na kati ya moto oyo tango makambo za ko tala diplomatie en tant que mandataire spécial tango azali ko kende ko solola baza ko ka o fachinde za beton de azolo bawa. Professeur Chibango, félicitations. Kasi sekele ya ba koso ya maputa oyo. Moko na kokuta na ona kotuna yango ndire likambo ya na katia. Félicitations professeur Chibango et longona ministre na biso ya affaires étrangères VPM Lutundula. Bango mibale fachi aza incarné kati na bango na etali diplomatie tango baza ko kende na terrain. Baza ko yela biso résultat. Bravo, bravo, bravo. Abu Opia, makambo ya o tokosoma mondo kite esengeli batuna esili yango na zelene eliki a ete na ebisi na bino na koki ko parie kobeta mondenge na moto nyonso alingi 2023 Kongole nyonso ako vote même jour na Kinshasa, même jour na Kalemi, même jour na Kishishe, même jour na Bounagana, même jour na Chikapa. Pambate sikoyo banguna nyonso ya Congo, ba groupes armés locaux et étrangers. Na ba armée étrangère au basé panabiso. Ntanguzi fweni. Ngonga yango yo ba. Baba na ko plier bagage. Eh, pambate. Ezaki le boso ba l'équipe sur le mandoki. Poto waki ko sombate. Siko esili. Diplomatie. Et fouti. Siko abu opia. Félicitations nabino bandeko. Deuxième sujet nabiso. Nalinga kito landa. Malobao yo ya Jean-Michel Samaloukonde, premier ministre chef à gouvernement, azala ki convié par président de Nikadima, kuna na seni, kuna kotala, matériel nenge komi, enrôlement ezako banda dans 3 jours, toyo ka maloba ya el professeur Samaloukonde Kienge, premier ministre nabiso, pe toko se retrouver tout de suite après pour l'actu commentaire. Regardez. Je voudrais mentionner effectivement que je suis à la fois bien sûr heureux d'être reçu ici à cette prestigieuse institution que constitue la CENI et je voudrais remercier les mots de bienvenue qui nous ont été adressés par Madame le rapporteur mais aussi par le président de la CENI pour mon arrivée ici, mais je suis aussi empreint de sentiments de
Responsabilité. Responsabilité parce qu'effectivement, jour pour jour, et M. le Président de la CENI l'a mentionné, c'est probablement pas un hasard qu'on se retrouve ici le 20 décembre 2022, donc très exactement à une année des élections prévues pour le 20 décembre 2023. Et donc, mon mot va se décliner sur quelques points. Le premier, c'est d'abord d'encourager. Encourager le travail qui est abattu ici à la CENI pour garantir justement l'organisation de ces élections dans le délai constitutionnel. Ici, nous avons participé à une démo qui a montré les innovations apportées par le bureau de la CENI pour pouvoir améliorer la qualité non seulement de l'enrôlement, mais aussi du processus lui-même pour qu'on puisse arriver justement à ces élections générales telles que prévues l'année prochaine en 2023. Et on a noté qu'on est parti des expériences antérieures. Partant de 2006, tous les processus électoraux que nous avons eus jusqu'à celui que nous avons actuellement. Pour garantir de ne pas retomber sur peut-être certaines erreurs qui se sont produites dans le passé et innover là où on peut améliorer les choses dans le cadre de ce processus. Et donc, je remercie tout ce travail abattu qui est encore à sa jeunesse parce qu'il y a encore beaucoup d'étapes qui sont en train de venir et pour lesquelles moi je souhaite tous mes encouragements et plein succès, bien sûr, à ce processus. Ensuite, nous avons voulu aussi être ici présent pour affirmer un principe que nous avons. Voilà, donc la bonne politique d'ouverture, il y a Premier ministre Nabisso, Jean-Michel Samalukonde, Ezali Kobota Bambouma. Bouébiété, le chef du gouvernement a donné des instructions précises après les orientations du président de la République. Samalukonde a dit ça na Nicolas Kazad, na Boji a budget, na yokate que financement à l'élection a eu problème. Nde le roto komia wana seni ande boza komona. Misolo ya l'état e bima ki pona élection e salama. Yango Jean-Michel Samalukonde azala ki convié et pa ya président a seni aya kotala kit ot ba kit ot ko utiliser pona enrôlement. Boni boni ezali ko tambola nenge ezali ko fonctionner pe surtout fonctionnement ya application, il y a pré-enregistrement, il y a des électeurs. Denis Kadima a profité d'une occasion pour saluer politique d'ouverture, il y a Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, Otozali Kobenga, El Professeur. Pambate misolalete kotia. Neko relaxation machine, nenge baza kotal. Samalukonde a tali pour les 24 heures, Otozali Kobenga en enrôlement. Yango tozali ko rappeler na Congolais nyoso bomoni machine ya wana boza komona wana dirkabe ya premier ministre boza komona sikoyo tozali lisusu na niveau ya kozwa kaka empreinte ya mosapite tokomi kozwa nawo ya liso yelo ya liso wana batiaka biso na Dubai soko kiti na aéroport wana ne enrôlement makambo tokosala a lokuta ezate lokuta yate élection ya 2023 je pense que ça sera un de meilleurs cycles au nan tozwa te na Congo. Carte de lecteur yango les a disponible le 24 décembre moi na Congo telema que nena centre d'enrôlement biso ba jeune autre bi moi manipulation ba nouvelle technologie il y a information pe ya communication tout ça là déjà pré enregistrement na biso et ko pesa yo trois codes QR tant osa ko kené na centre d'enrôlement il suffit ba scanner. Au ko perdre les sous temps mingité na centre ngai na sina sali pré-enregistrement na ngai papa Jean-Michel Samalukonde bravo pe félicitations
pambate financement ba élection pour na nzela ya gouvernement na yo et salami peto zali komona processus ezali kozwa nzela na yango le 24 a tobani enrôlement to peste lio le sako peto encourager vigilance na yo en tant que premier ministre chef ya gouvernement Hollande la opération malamo surtout côté financement pour na senia zangelo côté makambo salama malamo pe élection salama dans le délai constitutionnel. Quand c'est toi qui a un message, je vais le président Asseni, papa Denis Kadima. Oui, bien, tu es jeune. Oui, tu tranches d'âge, tu es entre 18 et 25 ans. Oui, tu es enrôlé. Tu es allé, tu es manipulé, tu es comme moi, nouvelle technologie, tu es bien, tu es casse. Tu es bien, tu es trop tard. Quand c'est toi qui a un message, moi, site, tu es self-service. Que ba jeune no ba yebi ko manipuler ba machine sous la surveillance il y a quelques agents à Seni et lenga koki koya yemo ko a manipuler lokola mo ba borne mo ba borne ya self service aye a manipuler ba tali soka salaire a imprimer carte na yake nous gagnerons en temps pamba te kino siko ba bazali ko douter et na un mois okoko ka ko enrôler bisonyoso du moins au Italie première R Kinshasa Grand Bandundu pe Grand Équateur la li qui était Bande kwa seni soki balandi biso botala na Nicolas Mizali koya peut-être na prochain scrutin na cycle électoral mususu boni boni Denis Kadima koki ko légué na Congo eloko ya bongo ya malamo pona Nicolas Mizali koya bravo pe félicitations kasi to rappeler na Congolais nyonso le 24 décembre en Rolme Mizali ko banda ko fanda na nda côté kende ko zwa carte d'électeur na yo pour pe sa yo pouvoir ya ko sanctionner positivement ou négativement, bato bazali ko kamba biso sikoyo pe ko pona to pe ko reconduire misusu pona 2023-2028 à venir les choses en maboko na bango. Nalingi to kende na Mbandaka. Mbandaka totala ministre Tony Mwaba na élément oyo pe to ko se retrouver tout de suite après pona actu commenté. Regardez. Il faut dire qu'il y a exactement 9 mois, c'est au mois de mars que nous avons lancé, sur instruction du président de la République, les travaux de réhabilitation de ces complexes scolaires. Vous voyez, l'Institut Motey, il y a au moins 3 établissements scolaires qui fréquentent ces bâtiments. Il y a à peu près, il y a près de 2000 élèves qui fréquentent ces bâtiments. Alors, pour ceux qui le savent, ces bâtiments étaient presque en train de s'écrouler. Et il y a des écoles ici qui ont formé des grands noms de la République, ici. Mais l'école était en train de s'écouler et le chef de l'État a instruit que nous puissions réhabiliter ça. Et avec une direction du ministère de l'EPST, la direction des infrastructures scolaires, on a travaillé presque en régie. On n'a pas fait les appels d'offres, ce n'est pas une société privée ni étrangère, ça c'est une direction de l'EPST que nous avons mis en place. Qui intervient pour ce genre de cas. On n'a pas besoin, lorsqu'il faut réhabiliter une école, arranger la toiture, les bâtiments. On peut même aller jusque loin à la construction des écoles. On a trouvé que des fois on gaspille beaucoup de ressources dans l'histoire des appels d'offres. C'est comme ça que ça c'est déjà un exemple avec la direction des infrastructures scolaires qui a des brigades au niveau national, même dans des provinces. On a réussi à réhabiliter ces grands bijoux de la province. C'est vraiment le plus grand complexe scolaire de la province. Et nous sommes fiers au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous disons merci, à qui toute la population de l'Équateur, plus précisément ici en Mbandaka, et particulièrement les élèves qui fréquentent ces établissements et même leurs parents. Ah! Donc, école Oyo Institut Motey, Nambandaka, que j'ai vu en 2020, en 2019, en 2018.
Donc, cette école a été réhabilitée par la direction des infrastructures scolaires. Il y a ministère, il y a EPST. Ça, c'est le résultat du management politique. Il y a Tony Mouaba Kazad comme gestionnaire, peu patron et secteur. Sur instruction, il y a Mokonzi Mboka. Pambate, vous avez été. Moi, c'est voilé les sous-face et athé. La gratuité de l'éducation de base, c'est le premier élément. Il y a bilan, il y a Fachi. Na quinquennat, il y a Liboso. Donc, ce qui est le bilan, il y a président. Na quinquennat, il y a Liboso. Le premier élément positif, c'est la gratuité de l'éducation. Des millions d'enfants ont regagné, retrouvé le chemin de l'école. Je suis un parent. Kasi, grâce à la gratuité, plus de 6 millions d'enfants ont repris le chemin de l'école. Des millions d'enfants. Et aujourd'hui, pour ce cas d'espèce, Tony Mouaba nous a montré que si le management est à la hauteur, nous pouvons même réduire les coûts de travaux. Vous avez été école OESA fréquentée au quotidien par 2000 élèves. 2000. École OYO, Institut Motei, est formé par tout ebele, par député, par ministre, et ebele par Tanyao. Na ba sango ba bimao. Kasi moko te kati na bango ya kotia loboko. Aka ba mwa bambi bale. Mwa de karton a kre. Te a te. Il fallait que la politique instaurée par le président de la République, sécurisée par Tony Mouaba, et bon ta résultat, oy, grâce à la direction des infrastructures scolaires. Il y a ministère à EPST. Awa, monsieur le ministre Tony Mouaba, ngai na pesio merci mingi pour la vigilance na yo pambate soki to lobaki to lancer appel d'offre to pesa ba compagnie ya nyamu nyamu ya usu usu ya ba miibi awa mbongo lingake kokate ba nyaba na misala ba silicité nzoka mbongo oyo ba société ya construction elingake senga biso ekoki kobongisa 3 4 5 écoles. Et pour ça, nous pensons que cette idéologie ya pour confier Misala, la direction des infrastructures scolaires, c'est une politique à maintenir, à consolider, monsieur le ministre, pour que lobby, tous les écoles et belles réhabilitées, à coût réduit, mais que le bâtiment soit viable, redevienne viable. Et à la réhabilitation, et à la construction. Toli qui était chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, a appuyé l'Ikanisioyo pour que la direction des infrastructures scolaires et continuer comme ça la mosala pour la réhabiliter l'école à coût réduit pambaté tous la ressource mingité, tout est prioritaire dans ce pays. Monsieur le ministre Tony Mouaba, bravo penali qui était mokondi amboka tonga koleka na mandaka le premier éco à koyoka ezali à mosala pe ba effet positif ya gratuité de l'éducation de base pour la population ya Équateur. Quatrième et dernier dossier totikali na mbandaka. Dans l'ingi total à image, ministre Alongoli Kazaka, il y a ministre. Azongi moi na mbandaka. Oh Luando. Oh Luando ya mbandaka. Luando ya moi na mbandaka. Oh bosa komona. Botala. Ça
Voilà. Waza ko loba shiko bo somo na video a. Oyo Gilwando ya ministre te. Oyo Gilwando ya mwana mbandaka. Oyo waza ko loba shiko. Le ministre d'état a se débarrassé na casquette na ye ya ministre. Azongi mwana ya mbandaka ya solo solo. Ye wana na balabala. Azali ko solo la na bandeko na ye na baningane ya kelasi. Na bana ya quartier na bango. Pour na ko préparer. Pe ko réserver accueil chaleureux na mokondi mboka. Félix Antoine Tshisekedi azali ko koma na mbandaka dans quelques heures. Zako koma wana na cadre ya conférence de gouverneur pour na ko solola na population d'abord meeting moko populaire ko sala mabongo na place ya maison communale ya Wangata. Moko nzamboka ko s'adresser na population nyonso ya mbandaka toko na balobaka na Équateur. Félicitations pe bravo na ministre d'état Guy Luando Mboyo pour la mobilisation. Awa eza ministre tende azoloba. Oh, bon, ça, comme on a un mandat, on a un tambour, la babalabala, on a un sokokota. Et ça, il y a un ministre, et ça, il y a un mandat. Oh, il y a une réalité, il y a un terrain, il y a une passe, il y a un mandat. Oh, il y a un mandat, on a un mandat, on a une possibilité, on a un mandat, on a mobilisé, on a un mandat, à travers discours, on a un meeting, on a un mandat devant la population, on a un mandat. C'est par là, mesdames et messieurs, que tout ceci, as-tu commenté la mission à l'élo? Tout le monde a un bon lobby. Avec le même plaisir et d'autres sujets, nous avons un lobby certainement na Baeko ya Makambo na Mandaka. Et je vous souhaite en tout cas très bonne suite des programmes en compagnie de BSC TV. Au revoir.